bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'attaque des titans, premier du nom de la version PS4 qui retrace du coup la première saison de l'animé l'attaque des titans, bien évidemment. Et on va commencer tout de suite nos aventures originales. その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。壁に。穴を開けられた。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。Ça y est, on commence enfin nos aventures. Bon bah c'est dur pour eux hein. Utilisez carré pour lancer un grappin. Ok, ça c'est beau ça. Utilisez L et carré en l'air pour une manœuvre tridimensionnelle. D'accord. En l'air pour accélérer. Putain, mais j'ai plus la merde. Oula, ça commence. Oula là là là. Le gaz pédé te permet de passer à grande vitesse. Profite de ta quantité limitée. C'est être à court de gaz. Ah bah oui, ça serait sûr que ça serait très con. Hop. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas très sorcier, hein, c'est bien. Dirigez-vous vers la cible. Ouais, juste à suivre ça en fait. Oh. Alors, Eren vient d'arriver sur la cible. Ouais, c'est bien beau tout ça. Et maintenant ? En fin de compte, je parie qu'un bon nombre d'entre vous feront de parfaits appâts. Merci, merci, je suis mal honoré de faire partie des appâts. Vous entraînerez à attaquer un titan. Une cible faite. Ok, d'accord. C'est bien, parfait ça.
Alors, appuyez sur R1 lorsque vous êtes à proximité d'un titan pour passer en mode combat. Lorsque vous appuyez sur carré, vous lancez un grappin sur une partie du corps du titan et commencez ainsi un combat en manœuvre tridimensionnelle. Dans cet état, vous pouvez utiliser L pour pivoter et X pour accélérer. Ok. Lors d'un combat en manœuvre tridimensionnelle, vous pouvez foncer sur le titan sans utiliser L. Vous pouvez attaquer des parties du corps du titan en fonçant vers lui et en appuyant sur triangle juste avant la collision. Si vous attaquez en courant après avoir utilisé X pour accélérer, vous infligerez des dégâts considérables. Ok. Vous pouvez utiliser R pour choisir une partie du corps à cibler et appuyer de nouveau sur carré pour lancer un grappin vers cette nouvelle partie. Toutefois, des rotations et des accélérations constantes mettent à rude épreuve les grappins et risquent de les desserrer. Ça marche. Du coup, R1, ok. Ensuite, donc le grappin c'est carré, ok. Charger en avançant, vous appuyez sur... Ok, ça marche. Et ensuite, triangle. Ok, donc triangle, c'est pour attaquer. Ça marche. C'est attaquer les titans d'entraînement. Et ben voilà, c'est pas sorcier pour un petit début, ça. Voilà, on va enfin intégrer le bataillon. Comment ça, trop lent, tu te fous de ma gueule? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, il y en a un autre. Tirer contre les titans plus grands. Ah, alors utiliser R1, ça marche. Pour lancer le grappin. Ah oui, donc là, en fait, là, je suis pas au niveau de son cou, là. Utiliser R pour passer d'une partie à l'autre. Ça marche. Utiliser carré. Bah, c'est bien, mais y'a rien de compliqué, en fait. C'est génial. Ah, utiliser X pour accélérer. Ah oui, d'accord. Donc, en plus, tu peux faire une accélération. Ouais, c'est trop puissant. C'est pas mal, ça. Et donc, ça devrait faire l'affaire. Mais bien sûr, ça fait l'affaire. Attaquer avec des lames et du gaz comprimé. Et vous en épuiserez les réserves. Ah, c'est pas illimité toute cette merde là. Ouais. Pas un bouclier. Ah. Décidez de quand vous avez besoin de réapprovisionner. Ok. Et là, j'en suis actuellement vers un là. Donc, il va me donner des trucs. Des logisticiens sont apparus près du champ de bataille. Et bah, allez, c'est parti là. Alors, appuyez sur rond près d'un logisticien pour vous ravitailler en objet. Vous utilisez les objets en votre possession, appuyez sur flèche du haut. Vous pouvez également appuyer sur flèche de côté pour changer d'objet. Votre réserve de gaz diminuera lors d'une manœuvre tridimensionnelle. Et si elle est épuisée, vous ne pourrez plus effectuer différentes actions. Ça c'est dommage ça, différentes actions plutôt. De même, vous utilisez également vos lames à mesure que vous attaquez des ennemis. Utilisez des objets au bon moment, ouais bref, on s'en fout. Nous, on veut se battre. Ok, donc on a une lame et le gaz, ça marche, pour changer de lame. Et pour changer de gaz. Et ça remet tout, ça marche, pas de soucis, putain mais c'est... Voilà, ça c'est un didacticiel simple et efficace. Ok, et là maintenant on fait quoi là, on se balade tous là. La dernière leçon du jour. Plusieurs cibles apparaîtront en frappant autant que vous pouvez dans le temps imparti. Ah, ok, ça, ça pue du cul. Et ils sont où du coup? 5 minutes. On a 5 minutes pour faire ça. Pas de soucis. Ah bah voilà, il y en a un là. Hop, du coup on appuie sur X et triangle. Yes, on a tué un. Bah c'est super bien cette carte là, elle est magique. Le deuxième. Alors, on va essayer de tous les faire là. Olé, troisième. 35. Ah, merde. Merde, où j'ai chié. Ouh là. Je maîtrise pas encore tout à fait. Veuillez m'en excuser. Hop. Alors après le moniteur va encore s'énerver là. Allez, boum. Oui. Et attends, quand il y a 35, il n'y en a pas 35 sur la carte. Tu te fous de ma gueule, toi. Hop. Il y en a encore un autre derrière là. Il se cache. Ouh ça. Putain, j'ai toujours les yeux rivés sur la carte, c'est incroyable. Faut pas que je fasse ça, putain. Sinon, je suis sûr qu'il y aura des plus gros tons, je vais me faire baiser, je vais rien comprendre. Mais d'accord, ils réapparaissent, bah chaud, bah d'accord, mais ça, il faut le dire, ça, ce genre de choses. Vas-y, toi maintenant. Boum. Merde, je vais mettre plus de gaz. Ah. Ça, c'est nul, ça, par contre. Ça pue pour moi. Ah mais j'en ai... Merde. C'est où là le sac à dos? Ok, il y en a un là-bas. On va aller le voir.
Hop. Là-bas. Il va trop loin. Voilà, mais aide. Il faut que tu m'aides là. Mais... Ok, donc ça et l'autre. Ah, par contre, c'est long quand même 5 minutes en fait. Il se passe quoi? Je perds si je fais pas les 35 en plus là? Ah, il commence fort. Huch. Non, il est pas mort. Chaud. Allez. Ouais. Berthold. Ça, le chacal va. J'ai déjà vu, bien évidemment, les 3 saisons. Mais bon, je ne dirai rien, c'est des personnes par hasard qui n'ont rien vu. Je vais juste fermer ma gueule et profiter du moment présent comme si je n'avais jamais vu l'animé. Hop là. Il reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste que 7. C'est toujours pas assez, hein. A tous les coups, de toute façon, il va apparaître de nouveau sur la carte. Yes. Putain, c'est la merde vraiment, j'arrive pas à le maîtriser. Hé, là, tu vas où? Voilà. Jean, respecte un dernier en action là. Et hop, boum. 19. On va faire un peu plus à moitié là. Allez. Hop, on va faire les deux là et après on va se ravitailler. Sinon ça va être la merde. J'en ai 20. Oh, pourquoi il n'y en a plus qui réapparaissent là? Oh! Ah, on a fini? Oh, c'est juste pour dire, nous sommes en compétition cette fois, nous devons tout donner. Mais ouais, t'inquiète. Et c'est moi le plus fort. Ce mec, il ne sait pas parler, il crie tout le temps. Il dit à ma mère. Ah putain. Ouais! On est le premier! Victoire! Mais ouais, bien sûr. Utilisez cette session comme une motivation pour vous entraîner plus dur. Rompez! Ouais. Maître. エレン。立体軌道のコツは掴めたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。 お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。 俺たちは真面目に訓練をやり抜いて、内地で快適に暮らすんだよ。なあ？いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。 俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ。 俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。 Oh putain, que du S. Oh, je commençais fort là. Ouais. Alors, les joueurs seront classés selon leurs actions au combat. Ces classements déterminent la quantité d'expérience gagnée. Ah, ça marche. Ouais. Alors, après avoir gagné suffisamment d'expérience, la compétence de régiment et la compétence de soldat d'un personnage augmenteront. En augmentant la compétence de régiment, un nouvel équipement apparaîtra dans le camp. Et un nouvel équipement débloqué pourra être développé.
En augmentant la compétence de soldat, les personnages peuvent apprendre des compétences. Vous pouvez en apprendre davantage sur la compétence de chaque personnage en consultant les informations sur le joueur dans l'écran de pause. Ok, t'as pas mal de trucs à faire en fait. Eren a obtenu une nouvelle compétence, rafle. Pas mal. Alors, permet un coup puissant vers le bas en attaquant un ennemi par-dessus. C'est bien ça. Et du coup là, alors à quoi ça sert ces médailles? Récompense spéciale. Alors vous pouvez gagner des fonds du régiment. En remportant des victoires au combat, des récompenses supplémentaires peuvent également être remportées en soumettant de nombreux titans. Les fonds du régiment sont utilisés pour, par exemple pour développer un nouvel équipement dans le camp. D'accord, mais ce camp en fait, il est où ce camp? J'aimerais bien aller voir ce camp en fait. Ah, et ça ce sont des outils. Alors vous pouvez gagner des matériaux en remportant des victoires au combat. Des récompenses supplémentaires peuvent également être remportées en détruisant des parties du corps des titans durant les combats. D'accord, donc en fait c'est important de devoir à chaque fois leur péter les tendons dans tous les sens quoi. Les matériaux sont utilisés par exemple pour développer un nouvel équipement dans le camp. Ok, donc en fait ce truc est primordial. Yes, alors ça j'en ai débloqué 3, 3, bah c'est bien, oulala. Ah mais qui dit ça dit forcément qu'il va falloir en utiliser beaucoup. Fortifiant était ajouté à vos objets utilisables en bataille. Ok, cool ça. Ça c'est bien, c'est très bien même. Et là du coup, ah, le chargement. Brigade d'entraînement. Oui bon, ça après ça c'est des explications. Oh, ça pète les cacahuètes, ok. Une fois diplômé, ouais, donc en fait ce qu'ils nous ont raconté tout à l'heure, et bah ils le réécrivent ici. Ok, donc maintenant on est... Ah bah voilà, c'est ça du coup le fameux camp là. Ah, il y a Jean. Et je peux enfin vivre à l'intérieur. Ah bah, bravo. T'en fallait peu. Marco, c'est ça que tu peux aller avec les campagnes. Il y a une vie de la sécurité et de la sécurité. Ah, je peux faire un travail près de la roi. C'est heureux. Tu fais encore le Rico? 言えよ、本音を。おい、ちゃん。お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今更何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにも、この愚策は維持されるべきだ。この4年前の作戦で、人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は 巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。 そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。 Là il était pas content là les Eren. J'avoue que c'est vraiment un crevard l'autre en fait hein. Ils s'en bat les couilles. Tout ce qu'il veut lui c'est être tranquille. Armin, regarde, c'est quoi, c'est X. Je suis content d'avoir réussi à décrocher mon diplôme, Eren. Tu vas faire partie du bataillon d'exploration, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais, allez, blablabla. Allez. Oh,
生き延びるのよ。行かないで。俺マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹ta mère elle s'est fait manger. Comme une tourte au poulet. Yes. Un camp comprend de nombreuses installations, comme la station d'approvisionnement en équipement. Pensez à développer un nouvel équipement avant de vous lancer dans votre prochain combat. D'accord, donc c'est là-bas. Ok, donc on peut améliorer tout ça. Alors, on stocke ici toutes sortes de matériaux, blablabla, pour servir pour des nouveaux équipements, renforcer des équipements existants. Tu as besoin de quelque chose. Alors, utilisez des fonds du régiment au dépôt d'acquisition de matériaux pour acquérir les matériaux nécessaires pour le développement d'équipements. Les matériaux inutiles peuvent également être vendus au dépôt contre des fonds du régiment. Ça marche, du coup, si je fais acquisition. Ok, donc on me propose de la merde. Clairement, on va prendre genre merde. Genre 2, c'est bien 2. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus, donc c'est un peu compliqué. Ah, je peux même pas. Eh ben, on va prendre un seul. Voilà. Putain, je suis vraiment pauvre. Chaud. Alors, reviens. On s'en bat les couilles. Et toi, du coup, toi? Alors, si, qui est stocké ton équipement de combat? Ok, donc là, on peut avoir d'autres trucs. Alors, à la station d'approvisionnement en équipement, vous pouvez choisir entre nouveau développement et modification d'équipement. Sélectionnez nouveau développement pour créer un nouvel équipement en utilisant des matériaux et des fonds du régiment. Sélectionnez une modification d'équipement pour améliorer un équipement que vous possédez. Blablabla. Ok, d'accord. Donc on peut ou acheter ou améliorer. Alors les lames sont classées selon les tranchants, longueur de lame et durabilité. Les tranchants affectent la puissance d'attaque tandis que la longueur de lame affecte la portée. Ok, d'accord, c'est pas mal ça. Alors les fourreaux, les bonbonnes sont classés selon les gaz restants, la pression du gaz et les lames restantes. Vous savez quoi, on découvrira tout ça petit à petit au fur et à mesure. Et de toute façon, je n'ai pas de thunes pour absolument rien du tout. Je suis un clochard. Yes. Ah bah, je peux rien lâcher du tout. Ouais. Alors, reviens si tu as besoin de quoi que ce soit. Ouais, bah super. Et du coup, je suppose que si on va au truc rouge au fond, c'est pour faire la prochaine mission. Mais on fera ça sûrement la prochaine fois. Sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'aventure de l'attaque des titans. Passez une très bonne soirée. Au revoir.